Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre horoscope de ce mois-ci. Nous allons utiliser le Tanis le Normand pour regarder un petit peu tout ce qui va se passer pour la première, la deuxième, troisième et quatrième semaine. Nous utiliserons une carte de l'oracle des reflets, donc ça c'est la seconde édition, pour voir un petit peu les énergies de votre mois. Nous tirerons également une carte du Lily White Tarot pour ce mois-ci, pour vous accompagner. Et puis nous regarderons aussi avec le petit oracle des animaux de pouvoir quel est l'animal qui va vous accompagner tout au long de votre mois et l'animal avec lequel vous allez pouvoir travailler, que vous allez pouvoir justement utiliser pendant ce mois pour avoir ses énergies, pour avoir ses conseils également. Alors tous ces jeux, que ce soit le Tanis, l'oracle des reflets, le Lily White, ce sont des jeux que j'ai créés, que vous pouvez retrouver sur mon site. Donc vous avez les références juste en dessous en barre d'infos. Je vous mets également les références du petit oracle des animaux de pouvoir que nous avons créé avec Claire. Vous ne le trouvez pas sur mon site, mais vous le trouvez sur Amazon ou dans votre librairie. Donc je vous mets la référence en barre d'infos s'il vous intéresse. Pour avoir un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire également. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec votre première semaine. Nous allons voir un petit peu tout au long du mois ce qui va se passer pour vous. Voilà, donc le Lenormand, il a ce côté un petit peu plus prédictif, comme je vous le dis très très régulièrement. Qui peut être aussi intéressant, voilà, pour voir un petit peu les tendances, ce qui va se passer. Ici déjà on voit qu'on a quand même un beau tirage. On a cette magnifique carte du soleil qui est la carte la plus positive du jeu, qui va rayonner du coup pour tout votre tirage et qui en plus se positionne en haut au centre. Donc bien sûr ces énergies vont englober aussi ce haut de tirage. Alors, pour cette première semaine, on voit qu'il y a des éclaircissements qui vont se faire, une énergie qui va revenir pour vous. On a des tensions que vous aviez, du stress, des tensions qui vont s'apaiser. Et on a une amitié très forte qui va se faire, ou en tout cas des amitiés qui vont être bien présentes pour vous, qui vont vous encourager, vous accompagner. Le lien avec certains de vos amis vont se resserrer. Vous allez également pouvoir faire des rencontres, de nouvelles rencontres qui vont être très profitables et très bénéfiques pour vous et qui vont augurer une amitié qui va être forte, qui va être importante dans votre vie. Voilà, donc peut-être aussi des tensions liées à certains amis qui vont se résorber d'eux-mêmes. Et vous allez en tout cas voilà, avoir un vrai apaisement sur tout ce qui va être lié à votre stress. Pour la deuxième semaine, on va plus avoir l'accent sur l'intuition et sur une santé qui pourrait avoir besoin de votre intuition justement pour être bénéfique, pour être positive. On a hein, ces petits stress qui ont découlé aussi sur votre santé, qui vont amener des maux un petit peu. Et pour arriver justement à déceler ces mots-là, pour arriver justement à vous en libérer, il va être bon également de faire appel à votre intuition. Ça va être votre meilleur guide. Si vous sentez que quelque chose est bon pour votre corps, mettez-le en action pendant la seconde semaine. Vous avez également des difficultés qui vont apparaître durant la seconde semaine, on le voit avec la carte des montagnes. Et encore une fois là, faites appel à votre intuition, ne vous laissez pas guider par les autres. N'écoutez pas les conseils de vos amis, pour le coup ils ne sont pas là pour ça, ils ne sont pas là pour dénouer vos problèmes. Vous seul pouvez dénouer ces difficultés qui vont arriver à vous. Et encore une fois, vraiment faites appel à votre intuition et essayez de ne pas écouter ce que pourraient vous dire les autres ou ce que pourraient vous dire, voilà, normalement on fait comme ça, normalement on va se positionner ainsi, faites ci ou faites ça, la bonne société voudrait que... C'est pas du tout ce qui va être profitable pour vous. Ce qui va être profitable pour vous, c'est d'arriver à vous apaiser, d'arriver à faire le point et justement de faire appel à votre intuition pour savoir ce qui va être le mieux pour vous et pour surpasser ces difficultés que vous allez rencontrer. On voit beaucoup de mouvements aussi pour la troisième semaine. Avec la carte de la cigogne, on a pour certaines personnes un déménagement, un changement, une évolution. Et on a la carte du cœur qui est ici. Donc on voit que des liens sentimentaux vont évoluer.
on a une évolution dans votre couple ou envers une personne qui va se faire durant la troisième semaine, un changement d'orientation peut-être également, une amitié eh bien, qui va se transformer en amour, ou un amour qui va peut-être un petit peu se tasser et puis on va reprendre un petit peu peut-être du recul. En tout cas, on voit aussi que vous avez, que vous allez avoir les conséquences un petit peu de ce que vous avez semé précédemment. Donc il y a des choses que vous avez mis en place dans votre cheminement, dans votre couple, dans votre cheminement, dans votre vie. Et ces choses vont avoir des implications maintenant. Les choses vont bouger, vont se mettre en place pour vous. Donc si vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif. Si vous avez semé des choses un petit peu plus négatives, eh bien attention justement à avoir ce fameux retour de bâton. Mais en tout cas, les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Et on voit que ça va avoir une incidence du coup également sur votre relation amoureuse, relation de couple. Et ce mouvement va aussi se faire dans ce domaine-là, en fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, par la suite, vous avez quand même aussi la carte du bouquet, qui est une carte positive, et la carte du poisson qui va représenter votre domaine professionnel. Moi, j'utilise la carte du poisson pour le domaine professionnel. Vous pouvez utiliser autre chose, mais comme c'est moi qui interprète les cartes ici, on va rester dans cette optique-là. On voit qu'il va y avoir dans cette quatrième semaine plus un accès au niveau professionnel. Alors il peut y avoir des déplacements professionnels puisque vous avez les deux cartes ici qui sont ensemble. Vous savez que dans ce genre de tirage, on lit en diagonale, en croix, on lit en ligne, on s'amuse un petit peu à varier notre lecture. Donc il pourrait y avoir une évolution dans le domaine professionnel. Et avec la carte du cœur, du bouquet et justement ces deux cartes-là également, celle du fouet et celle des oiseaux. Mais principalement avec la carte du bouquet, on voit que c'est quand même une évolution qui va être positive. Qu'il y a des choses vraiment qui vont vous être apportées un peu comme un cadeau. Donc on peut voir que ce que vous aviez semé, en plus avec la carte du bouquet en dessous, va être quand même dans une optique positive. Dans une démarche positive, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Vous avez mis en place des choses, vous avez travaillé, vous allez être récompensé pour ce travail-là. Alors ça peut-être un petit peu faire jaser justement autour de vous. Il peut y avoir des petits ragots qui vont être colportés. Ne prêtez jamais attention à ce genre de choses, c'est absolument pas intéressant pour vous. Mais par contre, ça peut être intéressant voilà, de discuter de ce nouveau travail. Vous êtes dans une démarche positive, dans une démarche active. Et c'est bien de le faire aussi rejaillir autour de vous, de parler aussi de ce que vous ressentez. Donc voilà. On voit quand même que ce tirage, il a vraiment une évolution positive avec cette carte du soleil qui va rejaillir un petit peu partout. Alors... pour votre énergie, voilà, on va être en plus accompagné par la magnifique carte du bol de riz. Et le bol de riz, il vous montre aussi psychologiquement à voir les choses toujours de façon positive, de façon constructive. Mais on a un alignement là qui va se faire avec le bol de riz. On a une félicité qui vient. On a ce bol avec la réunification du yin et du yang, donc des opposés qui se complètent. On a un bol qui est rempli de riz, donc au niveau de l'abondance, tout est constructif, tout est positif pour vous. Donc on vous invite vraiment à profiter de ce moment de félicité, ce moment de réussite aussi. Et cette impression aussi de n'avoir besoin de rien d'autre, d'être complet, de se satisfaire de ce que vous avez également. Au niveau de la carte du Lily White, alors bah c'est pareil, écoutez, on a un 10 de coupe qui est ici. Le 10 de coupe, on va en revenir d'ailleurs au côté sentimental ici, puisqu'on s'interrogeait un petit peu à ce niveau-là. On est dans les relations avec les couples et on voit ici une famille de poissons qui nage dans cette eau qui est présente grâce à cette fontaine qui semble intarissable. Et c'est exactement ce que l'on a. Vous avez réussi à construire des choses, on en revient aussi ici à ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en action et qui va porter ses fruits.
Et ça va vraiment porter ses fruits de façon positive. On a des relations qui sont excessivement positives, excessivement joyeuses, un couple qui se montre uni. On regarde également ce que l'on a construit et on est conscient qu'on a construit quelque chose de très positif et on en profite. Ce tirage, il vous dit, voilà, vous avez travaillé, vous avez mis en place des choses, maintenant il va être temps vraiment pour ce mois qui arrive de profiter de ce que vous avez mis en place, de retirer le bénéfice de vos actions et vraiment d'être dans cette félicité et d'être dans cette énergie d'en profiter vraiment. On le retrouve dans ces deux cartes, on le retrouve aussi avec l'énergie du tirage du Tanis. Et alors, comme petit animal totem qui va vous accompagner cette semaine, on va prendre au hasard une carte. Cette semaine, pardon. J'ai plus l'habitude de faire des tirages de la semaine, c'est pour ça. On a le coq. Alors, le coq. Voilà, le coq, debout. Un nouveau jour se lève, plein de promesses, et la vie m'attend. Ben voilà, encore une fois, on vous dit de profiter de la vie qui vous attend. De profiter aussi de cette énergie d'action, puisqu'on est aussi dans des énergies d'action qui étaient ici. Donc profitez de ce nouveau jour qui arrive, profitez de ce que vous avez mis en place, ça va être ultra positif pour vous. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des petites difficultés, comme on en a vu pour la seconde semaine, à mettre avec vous cette petite carte du coq, à avoir une petite photo de coq, ou pour vous booster, pour vous passer, justement, pour passer au jour suivant, pour vous booster, pour avoir cette énergie de mouvement aussi, et d'accueillir le jour qui vient avec beaucoup de joie. Voilà les béliers pour votre tirage, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé, qu'il va vous orienter dans tout votre mois à venir. Donc n'hésitez pas à revenir régulièrement puisqu'on a vu le mois en entier. Donc vous pouvez revoir cette vidéo pour vous attarder sur chaque semaine bien sûr. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire. J'espère que cette vidéo donc vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vous embrasse bien fort. Bye bye et bon mois à vous.